Hugo, bonjour. Bonjour. Un jour historique pour l'AS Romain de la Salle. C'est exceptionnel, hein. Une qualification pour les 8e. On en rêvait, c'est fait, c'est magique. Vos filles ont vraiment fait réaliser, moi j'ai trouvé une très grosse deuxième mi-temps. Ouais, on a déjoué en première mi-temps, crispé, j'avais un peu peur, c'est ce que j'avais mis l'accent dans le vestiaire de pas regretter après le match, on a un peu regretté en première mi-temps, on a déjoué, on gagnait pas les duels, on est en retard sur les sélections. On a fait une grosse deuxième sur la deuxième mi-temps, la victoire est amplement méritée. On savait que si on marquait, on est capable d'être costaud défensivement. Ouais, et maintenant, un souhait pour la suite, Ah, maintenant on veut un gros depuis le temps qu'on l'attend, mais bon, à force, on ne veut plus en avoir, quoi. Ouais, ouais. Non, c'est, Lyon ou Saint-Té ou Paris ou Montpellier, ce serait exceptionnel. Très bien, je vous remercie. Jérôme, bonne continuation. Ouais, merci. Ouais. Aujourd'hui. Oui, très heureux. Raconte-nous un petit peu ce but, comment tu l'as vécu. Ben, c'est un peu notre style de jeu depuis le début, voilà. On déborde bien sur les côtés, après on essaye de remettre dans l'axe. Je fais ce que je peux, je tire, j'ai de la chance, ça rentre. Hein, ça fait mouche. Ouais, voilà. Ça aurait pu passer à côté, ça aurait pu être arrêté, ben, là ça rentre, c'est de la chance pour nous. Quelle sensation cette qualification là, pour les huitièmes de finale? C'est un pur bonheur, quoi. Voilà, on attendait ça avec impatience, on savait qu'on pouvait le faire, que, voilà, que c'était possible, ben, là, c'est du bonheur. Ok, je te remercie. Merci. Madame Becquet, bonjour. Bonjour. Quel sentiment avez-vous après cette courte défaite en 16e de finale? Une déception, forcément, avec une seconde mi-temps qui n'est pas à l'image de ce qu'on sait produire et de ce qu'on sait faire. Peut-être aussi que les conditions de préparation de la rencontre avec les intempéries, vu qu'on n'a pas de salle non plus, c'est difficile, elles se sont entraînées dans les coursives du stade Jacques Rameau. Donc voilà, du travail athlétique, pas trop de ballons, donc prête physiquement, mais après dans le jeu, je pense qu'il y a du manque aujourd'hui. Quoi. Vous avez fait une belle entame de match, j'ai trouvé. Ouais, on a fait une entame de match à l'image de ce qu'on doit faire et de ce qu'on sait faire habituellement sur une heure et demie. C'est comme ça, hein. On va pas refaire le match, petite déception là-dessus. Quoi. Et maintenant, vous allez vous concentrer sur votre championnat, vous êtes actuellement bien placé, vous avez des objectifs pour la fin de saison? Bien sûr, l'accession d'interrégion reste notre priorité, hein. La coupe c'était une aventure, une belle aventure, elle prend fin aujourd'hui, voilà, il fallait une fin, elle se fait aujourd'hui, on aurait préféré qu'elle se fasse chez nous, donc, on a joué à chaque fois à l'extérieur, quasiment on a fait un match chez nous contre Saint-Maur, le premier tour fédéral. Sinon on a toujours voyagé, donc on aurait bien aimé finir chez nous. C'est comme ça, c'est l'histoire qui est comme ça. Après il nous reste notre coupe régionale à jouer, on est en quart. On espère bien faire quelque chose. Saison remplie, oui. Non, il faut rester fier de leur parcours. Tout le monde ne l'a pas fait, on était les derniers de la région. On a une D2 quand même au-dessus de nous avec Tours, qui s'est fait sortir le tour dernier, on était les derniers, voilà. Il faut savoir positiver même quand c'est dur. Et puis bon, on a des choses qui nous touchent plus profondément que d'autres. On a une jeune joueuse qui a sa maman qui est gravement malade, donc là, c'est plus important, voilà, on jouait aussi pour elle, donc c'est sûr que c'est un peu dur. Très bien, je vous remercie.